Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo aujourd'hui on se retrouve avec la GTR comme d'habitude, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti. Aujourd'hui ce qu'on va faire les amis c'est qu'on va tout simplement aller vous chercher et faire Uber en Nissan GTR. Donc là elle est dégueulasse et comme tout Uber on va laver un petit peu la voiture avant, aller acheter des bonbons et acheter des bouteilles d'eau. Et ensuite on va aller vous chercher dans Paris pour vous faire vous déplacer en Nissan GTR. Donc bien évidemment je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, ça coûte rien. D'ailleurs les amis si ça vous tente, à 5000 likes on fait la même vidéo donc Uber mais avec le C63. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller lui passer un petit coup de lavage parce qu'elle est vraiment sale. Ensuite on va aller acheter des bonbons et des bouteilles d'eau. Et ensuite on va aller récupérer des abonnés dans tout Paris et les faire se déplacer d'un point A à un point B en GTR. Alors c'est pas du tout mon concept mais je trouve ça vraiment sympa, donc je me suis dit pourquoi pas le faire avec la GTR. Vous voyez comment elle ressort, elle est tellement belle en orange. Au début j'aimais pas mais je la trouve vraiment belle maintenant. Il manque peut-être un aileron qui serait joli. Bon allez on va aller la laver parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Elle est vraiment dégueulasse donc on va aller lui mettre un petit coup là. Voilà, on va mettre un peu d'essence parce que la moitié du plein elle va partir en fumée. Bon allez c'est parti, du coup programme, on va aller laver la voiture, mettre de l'essence, acheter des bonbons. Et ensuite on va récupérer les abonnés dans tout Paris. Et on va les faire se déplacer en Nissan GTR où ils le souhaitent, de manière dynamique ou de manière calme. C'est à eux de choisir la conduite. D'ailleurs les amis si ce concept il vous plaît, si vous voulez pouvoir participer, pensez à me suivre sur Instagram, il s'affiche juste en dessous. Et c'est là où du coup je mettrai les stories, je viens vous chercher à telle heure, à tel endroit. Et pour participer du coup il faudra me suivre et voir les stories. Allez hop. On arrive chez Total, on va mettre le plein d'essence, on va aller acheter des petits bonbons et des bouteilles d'eau. Hop, let's go. Hop, code bon, c'est bon. Allez, on va servir en essence. De toute façon, pour faire la journée de VTC, on est bien obligé d'avoir de l'essence. On va la nourrir un petit peu parce qu'elle avait soif. Bonjour. Bonjour. Qui avait la voiture orangée. Ouais. C'était ça exactement. Donc, du coup on va leur prendre cela, histoire que les gens soient bien contents quand ils montent dans la voiture. Avec 2-3 bouteilles d'eau. Hop. Non non pas du tout. Ça va pas d'avantage sur les pleins d'essence non plus ça. Si. Du coup le plein c'est fait, on a acheté des bouteilles d'eau et des bonbons. Maintenant il manque plus qu'à laver la voiture. Je pense que ça va être assez marrant les réactions des gens parce qu'il y en a qui sont peut-être jamais montés dans des voitures comme ça. Et je pense qu'ils vont totalement vriller et ça va être vraiment drôle, j'ai hâte de voir la réaction des gens. Bon du coup les amis on va la laver parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Bon, ça y est, on a fini de laver la voiture, les gens. Donc là, j'ai mis une petite story. J'ai dit que le premier qui répond à ma story, je viendrai le chercher. Du coup, là, j'attends la réponse. Et le premier qui m'envoie son adresse, je vais tout simplement le récupérer avec la voiture. Bon, du coup, c'est lui le premier à m'avoir répondu. Du coup, on va lui dire que je viens le chercher. On va aller le récupérer, les amis. Et on va voir sa réaction, ça va être assez drôle. Ben, son adresse, on va aller le récupérer. Oui, je suis choqué. Cette voiture, je l'aime. À quel moment ça peut faire autant de bruit une caisse? Tu vois, t'excites tout le monde avec une GTR. Dès que tu fais un peu de bruit, t'as toute la France qui sont là. Bam papa bam à côté de toi. Tu vois, t'es là. Tu fais un bruit, c'est une Kalachnikov le truc. Les gens ils te fixent tous mal. Elle était avec son chien il comprenait même pas ce qui se passait. Salut. Salut, ça va? Ça va tranquille? Oh, je suis refait là. Tu vas bien? Ça va et toi? Bien. T'étais chez toi tranquillement? Ouais, j'étais chez moi, je me réveille, je vois tes stories. Et là, je me dis, ah vas-y, faut que je tente ma chance, j'ai rien à faire. On t'est déjà monté dans un vrai truc ou pas? Ouais, je suis déjà monté dans une super Leggera, j'étais de. Ah ouais? Hier, j'ai fait une fois. Et elle fait un peu de bruit comme tu vois. Oh la dinguerie. T'as de l'eau? Bah merci bien. Ouais, fais ça bien. C'est pas comme les nouveaux Uber, tu vois, ils proposent plus de bouteilles d'eau. Et maintenant t'as même des bonbons, tu vois. Ah, c'est carré. C'est quoi je vais en manger? Bah du coup je te la laisse la bouteille. Hein. Allez merci à toi. Beaucoup. Tu mettras un petit 5 étoiles hein, sur Uber, s'il te plaît. Je commence à la chasser du cul. Tu vois ce qui est bien, c'est quand tu te chauffes un peu, t'es en retard. Quand t'es en retard pour ton trajet. Bah c'est sûr, t'arrives à l'heure. En fait tu me dis ouais, je vais à l'aéroport, je suis en retard pour mon avion. Tu t'en penses quoi alors? Ça marche très très bien, ouais. C'est énervant. C'est
c'est discret. C'est fait pour aller, tu vois, te balader le dimanche de manière discrète. Ça dérange personne, y a pas de soucis. Au plaisir, content que t'aies kiffé et tout. Ça marche. Allez, ciao. Salut, ciao. Bon les amis, c'est bon, du coup on a récupéré le premier abonné, on lui a fait faire son tour, il a bien kiffé et ça m'a fait plaisir aussi. Là on va aller récupérer le deuxième abonné, il m'a donné rendez-vous à l'hôtel Georges V. On va directement le récupérer et on va voir sa réaction également. Hein, tu vas bien? Ouais. Tranquille? Ouais. Toi c'est Brian, c'est ça? C'est ça, ouais. Déjà monté un des trucs ou pas? Honnêtement non. C'est quoi le mieux que t'es fait? Je sais même pas, je crois que je te jure c'est le 4x4 de mon père. Wesh. Mais là j'ai rien fait là. Oh merde. Mais pas très bien, tu vois, des fois ils aiment pas trop. Insulté. Ouais, ils m'insultent. Ah, moi au contraire je kiffe trop. Attends, elle fait des flammes. Ouais, 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 là elle a fait une flamme là. Les gens sur le pont, ils sont choqués, ils se sont tous arrêtés pour regarder la voiture passer sous le tunnel. Ça, c'est pour vous dire que ça casse bien les oreilles comme il faut. Bon alors, pour la première fois... Honnêtement, c'est un truc de fou. Si on te demande c'est quoi les sensations, tu dirais quoi? Et c'est inexplicable, mais le bruit, c'est quelque chose en fait. Faut le vivre, ça te remonte, c'est... C'est violent. Ouais, grave. Dans le tunnel... Ça te défonce littéralement les tympans. Bon bah ouais, content que ça t'ait plu. Merci beaucoup. À la prochaine les gars. Ça fait grave plaisir. Bon les amis, je récupère encore un abonné. C'est Nicolas ce coup là qu'on va aller déposer à Paris. Salut. Ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Tranquille. Du coup tu vas où toi? Je vais à 25 rue de Paris. Quoi? De Clichy. Ah, c'est la voiture de mes rêves. Depuis Fast and Furious. Hein. C'est quoi le plus gros truc dans lequel t'es monté? C'est celle-là. Ah non, mais à part ça? À part ça c'était une G63 AMG. Ouais, c'est 575 chevaux. Ouais, c'est ça marchait bien déjà. Ça marchait bien. Ouais. Tu vois, c'est un peu différent encore. Hein. C'est top cool hein, qu'il fasse ça en plus. Oh, le feu. T'as quel âge toi? Moi j'ai 25. Enfin, j'ai pas encore le permis là, mais. Voilà, ça va te motiver à le passer, je pense. Ouais, je pense que ça. T'as vu, ça marche quand même hein. Ah ouais, ça marche de fou. Là on a pris 35 km/h exactement. Tu peux pas rouler tous les jours tranquille tu vois avec ça. C'est impossible, t'es obligé de rouler comme un con. Ouais c'est sûr. Ouais, c'est obligé tu vois, c'est vraiment une voiture d'enculé en fait, c'est lourd tu vois. 0 à 30, 0 à 30. C'est 0 à 30 tout le temps. Bah tu vois, je peux même mettre le mode flamme si je veux. Ah oui c'est vrai qu'il crache des flammes. C'est une histoire speed cette gueule. Tu vois, tu peux pas faire ça tout le temps parce que sinon tu te fais insulter tous les noms. Regarde, 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 c'est un coup de feu. Elle a pas compris. Elle regarde ailleurs, regarde au loin. C'est, ça met trop en confiance. C'est ça le problème de ces voitures maintenant. C'est un avion hein. Ça fait plaisir tu vois de partager un peu la passion avec tout le monde parce que c'est pas un truc que tout le monde fait. Quand t'as quelque chose, tu pars du principe qu'il faut partager et faire kiffer les gens. En tout cas, regarde, ça me coûte quoi de te faire un tour? 5 litres d'essence, je te laisse là? Ouais, parfait. Merci à toi. Rentre bien, enfin amuse-toi bien, bonne soirée. Ouais. Salut. A plus, ciao. Bon les amis, du coup je vais chercher la dernière personne pour faire le Uber en GTR. C'est une abonnée, ce coup là c'est pas un abonné donc ça va changer. Salut. Salut. Ça va, tu vas bien? Très bien. Tranquille. Bon alors, content d'avoir gagné le petit tour en Uber GTR. En vrai ouais. Est-ce que t'es déjà monté dans des gros trucs ou pas? Jamais, enfin caisse de mon copain maximum. Bah combien de chevaux sa caisse? 200. Mais bon rien par rapport à ça quoi. Et toi t'as le permis ou pas? Non. Pas de permis? Non. Mais t'as quel âge? 20 ans. 20 ans et t'as toujours pas le permis? Non. Bon du coup t'es contente d'avoir gagné le petit tour? Franchement ouais c'est cool hein. Ça m'évite de marcher. Tu t'y attendais pas genre? Non franchement ouais, je me suis dit là le monde qui va répondre à sa story, je vais être un message parmi genre des milliers et vas-y. Et au final t'as gagné? Au final j'ai gagné. Là de base ça aurait été moi à la place de la dame là tu vois. Dans le bus? Ouais exactement. Je préfère le bus hein. Franchement. Ah il a de la gueule, regarde-le. Wow. Petit bus de la RATP. C'est violent. Mais je pense que cette caisse, à chaque fois, elle choque vraiment tout le monde.
discret, tu vois, tu vas au boulot. Ouais, bah, c'est super, parfait, tu vois. Tu rentres avec des migraines à la fin de la journée. Tu rentres avec des migraines, t'as tout le monde qui te déteste au travail, mais c'est une super voiture. Oh merde alors. Regardez les gars, elle tremble. J'ai jamais vu ça de ma vie quoi. Mais toi t'es habitué, genre tu t'en rends pas compte. Toi tu suis la chaîne depuis longtemps ou pas? Ouais, genre quand j'y pense, ouais, ça fait vraiment longtemps. Et est-ce que t'as déjà regardé les vidéos où je disais ouais comme quoi la GTR c'est une caisse quand tu l'essayes, t'es obligé d'en avoir une? Ouais, parce que quand tu l'as acheté, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il lui trouve? Quand on voit tes anciennes caisses et qu'on voit ça, genre on comprend pas trop genre le changement. De pleurer. Premier Uber qui fait pleurer son passager juste en une accélération. Je le mettrai 5 étoiles quand même, c'est pas grave. Trajet rapide et efficace. Bon, je crois que les amis, on va rouler tranquille maintenant parce que voilà. On va faire une crise cardiaque avant qu'on arrive à destination. Crise cardiaque, t'as 20 ans à cause du GTR. Bon, j'espère que ça t'a plu en tout cas. À la prochaine. Merci beaucoup. De rien. C'était super. Au plaisir et bah rentre bien. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait grave kiffer de pouvoir partager cette passion avec vous, parce que c'est pas tous les jours que je peux faire monter tout le monde dans la voiture. Dites-moi si vous avez kiffé, dites-moi si vous voulez que je fasse la même avec le Session 3. Je pense que ça peut être une bonne idée. On rappelle à 5000 likes, on se fait la même. Pensez à me suivre sur Instagram, G3Adrien avec 2 i, si vous voulez pouvoir participer au prochain. En tout cas moi ça m'a fait, comme je vous ai dit, extrêmement plaisir. Bon, je pense qu'on a eu accès de tuning dans cette vidéo, mais un petit dernier tuning ne manque pas. Sur ce les amis, ciao tout le monde, bye bye.